On va trouver l'équivalent avec lui. Portez des talons avec lui. Alors, ça donne quoi? C'est pas dur? Non, c'est agréable, c'est très confortable. C'est agréable pour marcher? Ouais, ah. Ce sont des pantoufles. Ce sont des pantoufles. Faites voir. Ah ouais. Talons aiguilles. Ah, ah bon? C'est quoi le talon aiguille alors? Bah, c'est plus haut. Ah, c'est plus haut. Et donc, ça vous arrive de porter des talons aiguilles? Oui. Ah. Bah, bien sûr. Et ça change quoi? Bah, ça change que c'est bien pour se défendre. Défendre? Bah oui, parce que ce sont des aiguilles. Ouais. Si vous voulez percer le cœur d'un homme. Vous, madame, vous ne mettez jamais de talons aiguilles? Non. Pourquoi ça? C'est un peu dépassé. Par? Par la société actuelle. La politique, l'organisation de la vie. Parce que c'est de notre quoi, un talon aiguille, alors? Le talon aiguille, c'était très beau, mais la vie était moins folle et moins speedy and, how do you call it? Money. Non, not money, the, how do you call it, the zap, zip, zip. Ah, oh, le zapping. Tip, 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 zapping. Il y avait un temps de la beauté, il y avait un temps de la marche. Ah, d'accord. Je suis persuadée de ça. Et les femmes, avaient elles étaient, il y avait la robe, la jupe, il y avait les bas aussi, ouais, noirs ou colorés ou zébrés. Et c'était très beau, parce qu'on prenait le temps. Regarder un oiseau sur une branche, il faut avoir du temps. Oh, regarde, ça va prendre, yeah, mais ça va prendre, ouais, 60 secondes. Ouais. Mais plus Robin Monde regarde les oiseaux sur la branche. Good. Qu'est-ce que vous pensez du talon aiguille? C'est chic. C'est chic. C'est chic. Together. Véronique a 80 paires de chaussures. Véronique? Ouais. Oui. C'est quoi le... Vous faites quoi, là? Bah, on fait une enquête sur les talons aiguilles. Eh bien, les talons aiguilles, c'est très pratique. Oui. Ça se coince un peu dans les grilles, là. Les grilles? Les grilles, là. Ah. Les grilles d'égout, de trucs comme ça. Ça, c'est le seul truc, mais autrement, c'est très bien. Ça arrive souvent, ça? Oui, très souvent. Et comment faire, comme ça? Vous trébuchez, comme ça, vous partez en avant. Et vous laissez votre chaussure derrière vous, puis vous venez la récupérer. Dignement. Avec dignité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous mettez parfois des talons aiguilles? Oui, pourquoi? Parce que je voudrais savoir qu'est-ce que ça donne pour vous. Franchement, je ne sais pas. C'est pas difficile à marcher dans les talons? Non, c'est pas difficile, j'ai l'habitude. C'est vrai? Depuis l'âge de 15 ans. Mais moi, j'ai jamais fait. Eh bien, c'est très bien. Mais comment faire alors? Je ne sais pas, mais il faut apprendre. Hein. Vous portez toujours les mêmes chaussures? Ah ben non, je ne porte pas les mêmes chaussures, tout dépend de la saison. Ah ouais? Voilà, vous comprenez? Bon, en ce moment, j'ai gardé les bottes parce que. Il fait frais, il fait bon, mais on ne sait pas encore sur quel pied danser. Ça veut dire quoi, sur quel pied? Oui, sur quel pied, non. Et par exemple, est-ce que vous mettez les talons aiguilles à la campagne? Oh non, oh, elle est folle. Elle. Mais pourquoi pas? Parce qu'elle est malade, elle. À la campagne, vous faites comment? Alors, à la campagne, je suis une fermière. Ah, d'accord. Prenez. Et donc, c'est quand que vous mettez les vrais? Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a les vrais talons aiguilles, comme ça. Un talon aiguille, c'est, ouais, un talon aiguille. Il, ouais, n'y a pas de cinéma à faire, c'est un talon aiguille. Together. Et ça vous fait quoi, comme effet, quand vous voyez une femme en talon aiguille? Je regarde la femme, je regarde pas le talon. I always feel like a drag queen when I put this thing on. Pero, what can I look at?